joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. La messe d'aujourd'hui est pour Roméo Darcy, recommandée par sa fille Ginette. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, comme il y a 2000 ans, Dieu prend la route qui mène jusqu'à nous. Que le Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Depuis des semaines déjà, notre société s'est mise en fête, mais elle cache souvent la source profonde de sa joie. Marchons ensemble vers la lumière. Seigneur Jésus, le chant du commerce semble couvrir parfois le chant des anges qui annonce ta naissance. Ouvre nos oreilles à cette musique divine et prends pitié de nous. Ô Christ, depuis des semaines, nous nous efforçons de penser aux autres. Que cette vertu trouve son achèvement en toi et prends pitié de nous. Seigneur, c'est aux pauvres d'abord que tu révèles ton mystère. Donne-nous d'y avoir pleinement accès et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Dieu, personne ne l'a jamais fait. Le Fils unique,
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Les questions dans l'Évangile de cette fête de Noël, du Verbe, de la parole qui s'est fait chair. Le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, prend chair dans le sein de la Vierge Marie pour donner à ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en lui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a là une communion totale entre l'homme et Dieu. Dans le Verbe incarné, cet enfant de Bethléem, l'homme trouve l'adoption filiale. Dieu n'est plus un être lointain, il devient un père. Dieu n'est plus un être dont on parle seulement, mais il devient un frère. Comment l'homme irait-il à Dieu si Dieu n'était pas venu à l'homme? Comment l'homme se libérerait-il de sa naissance de mort s'il n'était régénéré selon la foi par une naissance nouvelle donnée généreusement par Dieu, grâce à celle qui se fit dans le sein de la Vierge? L'homme prend alors toute sa dimension, car il n'est vraiment homme qu'en Dieu. L'événement, la naissance de notre Sauveur, quand il s'est produit il y a plus de 2000 ans, n'aurait dû ne laisser aucune trace. Il s'agit d'un bébé, né chez un couple de gens très modestes, dans une petite bourgade obscure à l'orient de l'Empire romain, et qui n'a été remarqué que par quelques pauvres bergers. Ce qui aurait dû demeurer, c'est le puissant empire romain à l'apogée de sa gloire, quand Auguste ordonnait de recenser toute la terre. Et pourtant, ce n'est pas cette grande puissance romaine qui a subsisté, mais l'humble fait né d'un petit enfant. Noël de tous les hommes, Noël de toutes les nations, Noël de tous les jours, il y a là une réussite. Les deux évangiles, d'hier et d'aujourd'hui, nous décrivent la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui aussi, il est question que le Fils unique engendré du Père n'ont pas créé. Et là nous voyons deux aspects, l'aspect physique, l'aspect humain et l'aspect divin de Jésus. Toutes les hérésies, toutes les déviations de l'humanité montrent bien à quel point parfois nous résistons à accepter la révélation de Dieu. Il y a donc dans cette naissance de Bethléem cette union indivisible de l'homme et de Dieu dans une seule personne, Jésus de Nazareth. Dieu, à Noël, vient épouser l'humanité. Et en épousant l'humanité sur la terre, il donne son fruit le plus beau, c'est-à-dire son Fils Jésus, inséparablement Fils de Dieu, Fils de Marie, qui est aussi le fondement de notre foi. Dieu confie à l'homme la construction de la société, la coopération pour construire une humanité nouvelle. Mais dans l'indifférence de Dieu en s'agissant de l'action temporelle, parfois nous oublions Dieu, nous oublions cet aspect spirituel de notre vie. Chaque fois que nous faisons cette séparation entre l'homme et Dieu, nous oublions la vérité profonde de la naissance dans la chair du Fils éternel. Quelques disaient que la société moderne est parfois à tendance à nous faire penser à d'autres héros modernes qui tuent Dieu,
car ce n'est pas seulement l'enfant de la crèche qui porte en lui la double identité humaine et divine, fragile et infime. Chacun de nous est un être imprégné de Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour que nous devenions fils et filles du Père. Noël nous crie que Dieu et l'homme sont liés pour toujours. On ne peut pas tuer Dieu. On ne peut pas tuer l'homme. Dieu nous a créés et il nous tient par la main. Il nous accompagne tous les instants de notre vie. On ne peut servir vraiment l'homme sans s'ouvrir à Dieu. Et qu'on ne peut adorer Dieu sans le respect de l'homme et de ses droits. En ce temps de Noël, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions accueillir l'enfant Jésus dans notre vie, que nous lui construisions une crèche de notre cœur, dans nos actions, dans nos activités, pour que nous puissions témoigner de son amour. Amen. Et maintenant, si vous voulez bien vous mettre debout, nous allons confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est avec beaucoup de confiance que nous pouvons adresser notre prière à celui qui est le Sauveur, le Messie, le Seigneur, et qui apporte la paix à l'humanité. Il est notre salut et notre lumière. Dans la nuit du monde, tu viens offrir la lumière de ton amour pour que l'Église en donne témoignage. Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans les ténèbres de la violence, tu viens semer la paix. Pour les populations des pays en conflit, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans la nuit du doute, tu viens révéler la force de la foi. Pour les nouveaux convertis, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans les ténèbres de la souffrance, tu fais renaître l'espérance. Pour les malades et les personnes seules, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Toi, Jésus, l'enfant de Dieu, tu accueilles favorablement nos demandes. Nous le croyons, tu es lumière pour tous les humains. Révèle ta tendresse à tous ceux et celles qui espèrent en toi, car tu es notre Sauveur pour les siècles des siècles.
Accepte, Seigneur, notre sacrifice en ce jour de Noël, et dans ce prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui en nous lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une haute voix. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Roméo, pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, échangez un signe de paix. Thank you.
notre Père, nous avons accueilli dans la joie la naissance de ton Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité. Puisque nous croyons en son nom, fais de nous des enfants de lumière, des messagers de ta bonne nouvelle de paix. À toi la gloire, au Père, à l'Esprit Saint, par Jésus ton enfant, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent de l'ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous donne sa paix et qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une petite erreur dans le semainier paroissial. Pour la messe du 1er janvier, ce n'est pas à 11h, mais c'est à 10h comme tous les dimanches, la messe du 1er janvier. Je vous remercie d'être venu célébrer avec nous l'Eucharistie de Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis bonne semaine et prenez soin de vous. Allez dans la paix de Christ.